Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News et j'ouvre la 11e visioconférence de la série Les Galactiques 2024. Le thème de ce soir est Ishtar, Isis, la pléiadienne Ishta de Héra et l'invention des capsules holographiques d'immersion que l'on appelle MedPod en anglais et les lits médicaux appelés MedBeds en anglais. Ishta est originaire d'une lignée royale appelée les Pathals, qui sont hautement spirituels et au service des autres. Le groupe des Pathals s'était éloigné de leur société orientée vers soi plutôt que vers les peuples et il voulait être au service des autres. Elle décida de rejoindre la Fédération unie des planètes dans une base spatiale andromédienne appelée Viera. Le vaisseau a 30 000 ans d'âge. Dans un premier temps, et avant de rejoindre Viera, Ishta avait choisi la planète Héra et elle se cacha avec sa fille dans les forêts, près du lac des Hauts Plateaux, près de la montagne Pic de la Mer. Pendant toutes ces années d'intervention et d'accomplissement de sa mission sur Terre, Ishta vivait essentiellement dans son vaisseau. Elle faisait des allers-retours entre différentes planètes et elle allait de la Terre vers Tiamat, Sirius et Jupiter, car elle travaillait beaucoup avec les Syriens et les peuples d'Enki et Enlil. Après la catastrophe de Tiamat et la destruction des biotopes terrestres, la Fédération galactique avait décidé de créer une immense bibliothèque biologique qui rassemblerait tous les ADN de la faune, de la flore et de l'humanité terrestre. La personne la plus apte à mener ce projet était Ishta. Elle était exo-anthropologue et archéologue et généticienne car elle avait appris la génétique auprès des Étortans, les grands gris à nez plat, originaires de la planète Étor qui orbite autour du soleil Bételgeuse dans M42, la constellation d'Orion. Elle était experte en génétique fréquentielle et holographique. Ishta créa donc une première bibliothèque, une première base de données d'ADN qu'elle conserve.